L'équipe, c'est Alexandre SKRT, comment ça va aujourd'hui les refs? Aujourd'hui les gars, comme vous le voyez, moi ça va super. Donc là les gars, actuellement vous devez vous demander, mais où est-ce que t'es frère? Voilà, dans ma dernière vidéo, je suis là à parler du mi-père et tout comme un ouf. Et là actuellement je suis dans une voiture. Alors non les gars, j'ai pas encore eu mon mi-père, malheureusement, mais vous inquiétez pas, on charbonne ça. Bon voilà, en gros je vous explique. Aujourd'hui les gars, j'ai eu une idée de concept incroyable. Bon en fait ça va être tout simple, hein, vraiment, il y a rien de compliqué. En gros là tu vois, actuellement je suis dans une voiture. Une voiture, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit fermé, c'est un endroit où on peut taper à quoi, tout simplement. Et voilà quoi, je pense vous avez compris le concept. Aujourd'hui on va tout simplement essayer de faire un aqua dans la voiture les amis. Et franchement les gars, je suis refait de pouvoir tourner une vidéo comme ça dans une voiture. Donc sur ce les gars, sans plus attendre, et bah on va tout de suite passer à l'intro, hein. C'est parti. Je suis sur Panam, j'en enlève. Tous ces faux ne veulent pas nous voir shine. Page dans la main et je suis dans le mood. 939 et je suis dans le mood. Yeah. Ok. Bon les gars, du coup on va pas plus attendre pour cette vidéo là. En plus de ça, je vous ai préparé des trucs assez caliente et j'ai tout caché dans ma petite poche. Donc les amis, j'ai roulé un petit 3 tonks. Voilà, 3 feuilles, 3 tonks, ça fait plaisir, le combo est gagnant. Roulé bien sûr de mes propres mains avec avec les savoir-faire, vous connaissez, ça fait plaisir. Et juste ici les poteaux, on a un truc plus classique. Donc voilà, un J, tout ce qu'il y a de plus basique. Sauf qu'à l'intérieur les amis, j'ai mis des petites épices, ça fait plaisir. Là actuellement on est sur du dry, donc c'est du Orange Punch filtré à 120 microns de chez One Piece Farm les amis. Donc voilà, c'est réel. Puis voilà quoi, je pense les gars, sur ce on va tout de suite commencer parce que bah parce que voilà quoi, il y a rien qui m'arrête, bordel de merde. En plus de ça les gars, pour la vidéo j'ai pris un briquet comme as. Pour ceux qui ont déjà vu, il y a Snoop Dogg qui était dans une pub pour Bic, du coup pour présenter ce briquet là. Enfin voilà, c'est pour allumer des bougies et autres avec Snoop Dogg, tu vois, la pub était marrante. Donc du coup les amis, je commence directement avec l'Orange Punch. Puisque ouh, bonne petite odeur, j'aime beaucoup. Enfin voilà, tu vois, je voulais avant qu'on voie un peu comment ça donne avec un produit comme ça sur un simple terre, bah comment ça fume. Et ensuite là au moins on sait avec le 3 feuilles que directement ça va fumer quoi. Donc c'est parti les gars. Comme je vous l'avais dit, hein, on n'est pas sûr du mensonge, les gars. Directement, le produit, il agresse, quoi. C'est carré. Putain de merde, les amis. Alors, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais moi, déjà, je commence à être plutôt bombardé de fumée, là. Surtout qu'en plus, il y a les rayons du soleil qui tapent. Enfin, franchement, c'est beau, ce qui se passe. Vous voyez les gars, ce concept là, ça fait déjà un petit moment que j'ai envie de le réaliser, tu vois, mais je pouvais pas parce que du coup, bah, j'étais pas dans ma propre voiture et tout. Mais là, aujourd'hui, je suis super content parce que du coup, je peux vous proposer ce concept sans même avoir ma voiture. Donc, c'est carré. Dès que j'ai eu l'occasion, les amis, j'ai pas perdu de temps, frérot. Je me suis directement dit, non, là, aujourd'hui, je peux tourner cette vidéo. C'est parti, les gars. Alors celui-là il était propre sa mère. Je sais pas si vous avez bien vu, je pense, mais il était propre sa mère. Putain les gars, en tout cas ça fume, ça fume, ça fume. Et déjà on n'a pas encore enfumé toute la bagnole bien sûr, parce que je viens de péter ce J, c'est normal. Mais déjà de mon côté là c'est déjà pas mal. Et je sais pas si on va apercevoir, mais il y a le produit qui est en train de développer ses capacités, tout simplement on va dire. Donc ça fait plaisir quoi, on est dans une bonne ambiance, on est dans un bon truc. Non, franchement les gars, cet Orange Punch il est très cool. Pour ceux qui ont vu sur Insta, de toute façon vous avez dû le voir passer, je l'ai montré et tout. Donc voilà, les gros ils savent, hein. Bon du coup les gars, je vais tout de suite poser le terre et on va directement allumer le balèze. Et là à mon avis déjà on va être sur plus de fumée, hein. En plus les gars, là je viens de poser le terre, vous voyez pas, mais c'est en train de rajouter de la fumée en plus. Donc voilà. Putain, ah, directement ça tape, hein. Ouais, alors là les amis, moi je commence à avoir flou, je vous avoue. Je sais pas c'est comment de votre point de vue, si vous voyez bien et tout, mais waouh, là déjà on a bien commencé à établir les choses, on va dire.
Oh sa mère. Oh ça tape. Oh les gars, ça tape sa mère. En plus avec toute cette fumée, j'arrive même plus à respirer, bordel. Oh, aïe, 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 aïe. Oh les gars, c'est violent ce qui se passe là. Eh les amis, sachez que d'ailleurs, moi personnellement, tu vois, je suis pas trop un mec qui bédave souvent dans des voitures, tu vois, j'ai pas trop l'occasion, genre, tu vois, quand je suis avec des potos qui ont le permis, tu vois, soit ils bédavent pas dans la voiture, soit c'est des trucs comme ça. Tu vois, après il y en a, mais bon, c'est rare. Et là, c'est vraiment la première fois de ma vie que je suis en train de fumer un terre dans une voiture tout seul. Donc ça fait plaisir, franchement, ça donne envie et j'ai hâte d'avoir le MIPER, hein. En tout cas, les gars, moi, je me fais gazer la gueule avec toute cette fumée et toute cette conce qui brûle, là, putain. Bon, je vais poser celui-là. On va repartir sur le Range Punch. Je connais avec ce genre, il n'y a pas besoin de faire un 3 feuilles, poteau. On sent directement le changement d'ambiance, frère, le changement de goût. Ah ouais, non, franchement, les gars, on peut rien dire. Hein, c'est largement mieux. Bon, après, le ratio tabac-con, c'est pas le même dans les 2J aussi, je suis d'accord. Et vu que je suis pas trop un consommateur de tabac de base, bah, c'est pas trop mon kiff, tu vois. Les gars, franchement, c'est incroyable. La fumée, elle stack de sur mes mains carrément. Genre, je reste comme as, tu vois. Tu la vois, elle reste sur mes doigts et tout. C'est incroyable. T'as les amis, ça, c'était la barre pour la miniature. Oh, ça flingue. Putain les gars, je sais pas vous ce que vous faites, si vous êtes accompagné de moi, accompagné d'un bon tard avec des produits de qualité ou non dedans. Mais moi personnellement les gars, la moula me donne chaud carrément là. Je vous avoue, je commence à avoir les mains moites et tout. Là c'est réel ce qui se passe. Et les gars, niveau à quoi aussi, je peux vous dire, on commence à bien atomiser la gueule de la chop. Regardez-moi ça les amis. Là c'est la flamme olympique. Putain, regardez-moi ça. Oh là là, incroyable. Majestueux. Non, franchement, les gars, et pour ceux qui bédavent du jaune tout le temps, là, et qui en ont marre, les gars, essayez vraiment de choper des produits de qualité comme ça. D'ailleurs, les gars, c'est assez dommage parce que ma dernière vidéo, elle a été beaucoup moins mise en avant et tout, parce que c'était une vidéo avec limite d'âge et tout, où je teste un produit de qualité. Mais les gars, j'en profite parce que je pense que cette vidéo-là, elle va faire un peu plus de vues. Mais n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo si vous avez un compte majeur. Parce que vraiment, ça vaut le coup, les gars. Je teste l'isolator dedans, gros. T'as même pas besoin de rouler un 3 feuilles, juste un J basique, gros. Ça t'atomise. Vraiment, c'est incroyable. Eh les gars, mais pour de ça, c'est compliqué de respirer, hein. Eh, je pensais pas que ça, c'était comme ça que ça se passait, les choses. Enfin voilà, les gars, moi je vous dis, j'ai jamais trop fait d'aqua dans les voitures, tu vois, ou quand j'étais avec des potos, on aérait en même temps et tout, tu vois. Mais là, waouh, c'est réel, ça flingue, parce que tu vois, il y a un truc avec l'aqua aussi, c'est que, bah, étant donné que déjà tu bédaves, et en plus de ça, tu restes dans la fumée, l'air ambiant et tout, ça augmente le high, tu vois. Et donc du coup, là, les gars, moi, personnellement, je me sens bien gazé, là, actuellement. En plus, j'ai chaud et tout, alors que dehors, il fait pas très chaud, tu vois. Bon, je pense aussi, il y a les reflets du soleil qui aident bien, tu vois, mais c'est carré, ça fait plaisir. Eh les gars, j'espère vous validez les gosses que je vous lâche depuis tout à l'heure. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si vous avez des remarques et tout sur la vidéo, vous connaissez, si vous fumez des choses en spécialité ou quoi. Les gars, ça fait plaisir. Bon les gars, on va poser ce petit Orange Punch, on va passer sur le Balèze. Tiens, eh les gars, vous savez quoi, je vais essayer de tirer sur les deux en même temps.
Puta, j'espère que vous l'avez vu celui-là parce qu'il avait l'air incroyable. Et d'ailleurs les gars, j'en ai même pas parlé en vidéo parce que ça s'est fait ultra rapidement, mais genre j'ai perdu mon compte Insta que j'avais AlexandreSKRT2. Donc voilà, du coup les gars, depuis je suis passé sur le backup AlexandreSKRT3 et j'ai créé un nouveau compte backup. Mais franchement ça fait chier parce que je sais pas pourquoi mes stories se font supprimer, je sais pas pourquoi je me fais ban. Alors que pourtant tu vois, je partage juste, frère, c'est la nature, c'est naturel gros, c'est des plantes mec, y a vraiment rien. Les gars, je me suis fait supprimer des stories où genre juste, t'avais une couche de salade, frère, magnifique, sur une feuille blanche, mec, sur un plateau, frère, il n'y avait rien du tout, c'était beau. Et je me suis fait supprimer. Les gars, franchement, moi, ça me fait chier parce que je suis juste là pour vous partager des belles choses, vous faire découvrir des trucs cool et tout. Et je me fais supprimer, je me fais ban et tout. On est obligé de passer sur des comptes Insta, frère, je suis obligé de vérifier chaque compte qui s'abonne à WAM et tout, c'est relou, frère. Bon, dans tous les cas, les amis, c'est pas grave, nous, tous les jours, on est là, on milite pour ça, frère. Les gars, je vous dis, je ne m'arrêterai pas de continuer tant que ça sera pas légal, les amis. Et quand ça sera légal, je continuerai encore plus. Donc franchement, on va tout faire pour que ça le soit, les amis. On va se battre pour ça. Franchement, là, c'est dommage parce qu'à l'heure actuelle, tu vois, j'ai pas de chop et tout. Et je peux pas me déplacer à des événements, à des manifestations, à ce genre de trucs. Mais vous inquiétez pas, les gars, quand j'aurai ma chop, je vous jure un truc, c'est que je proposerai de la frappe. J'irai à des endroits de taré, les amis. On fera des trucs de malade. On va se connecter avec des gens aussi. Ça va être fou, frère. Donc, les gars, je pense 2022, si j'ai ma chop et tout, oh, ça va être réel. Et j'espère que les Français, ils vont se réveiller et qu'ils vont ouvrir les yeux sur ce que c'est vraiment la salade et tout, tu vois. Voilà, moi, j'ai juste envie d'une chose, c'est qu'on mette ça au même niveau que l'alcool, quoi. Franchement, les gars, c'est pas... Je demande pas grand-chose, bon. Bon, sur ce, moi, je vais retirer une taf. Oh, putain. Là, on est dans le gaz complet, là. On est dans le gas for real. Les gars, là, carrément, je dois avoir des yeux de chinois, frère. Je suis là, je suis pas bien, mec. Enfin, si, je suis très bien, tu vois, mais c'est juste que là, j'ai chaud, gros. Je peux pas respirer comme je veux et tout. La voiture, elle est gazée, frère. En tout cas, les amis, je pense que c'est un défi réussi, hein, parce que là, gros, la voiture, elle est bien. T'inquiète pas. Moi, je suis bien, t'inquiète pas aussi. Donc, c'est carré, hein. Bon les gars, je vais repasser sur le Orange Punch parce que je vous avoue, ce 3 tonk là, il m'atomise la gueule. Vraiment, il m'atomise la gueule et la gorge. J'ai pas pris d'eau, tu vois, donc complicado la situation. Putain les gars, je vous jure, je suis en train d'essayer de regarder dehors. Je vois rien du tout, frère. T'as une couche de fumée devant la vitre. Je vois rien, gros. Il y a une voiture qui passe. Bonjour monsieur. On tire une barre pour lui, bien sûr. Bon les amis, je suis désolé, je vais devoir vous laisser les gars, parce que là actuellement je suis dans le gaz complet, mais juste avant les gars, je vais vous mettre une petite séquence où je sors de la voiture pour voir un peu comment ça se passe. Bon les amis, là ça sort là, ça sort pour de vrai. C'est weird. C'est weird. Bon voilà les gars, sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à activer la cloche aussi pour tous les vrais qui le font, qui cliquent quand dès qu'il y a la notif et tout. Franchement, vous êtes des bons les gars, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre le petit like aussi, des familles, ça fait plaisir à chaque fois, je répète, vous avez pas besoin de moi, mais vous êtes des bons, vous le mettez tout seul, donc c'est carré les gars. N'hésitez pas les petits commentaires aussi, vous savez quoi dire, vous savez quoi faire, putain de merde. Et sur ce les gars, ciao bye Cimer. Design tout le long de mon corps, je suis frais, c'est rebugette.